Eh bien bonsoir à tous, c'est Darmenel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la fusion des serveurs. Mais avant tout, le Discord est disponible et dans la dernière vidéo, j'ai oublié de remercier Martian Sword et The Situation pour leur aide, etc. Donc sans ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, fusion des serveurs. Donc on va lire d'abord ce que Scopely nous raconte là-dessus. On va lire le début. Alors nous voulions profiter de l'occasion pour vous parler des fusions de serveurs, c'est un sujet très débattu au sein de la communauté et nous savons que beaucoup de joueurs les demandent. Quelques serveurs sont nettement moins peuplés qu'escomptés, nous tenons à vous rassurer, nous avons écouté la communauté et l'équipe travaille d'arrache-pied pour rendre ces fusions possibles. Les fusions de serveurs peuvent s'avérer complexes et leur équilibrage est difficile. Nous faisons de notre mieux pour identifier les embûches potentielles alors que nous tentons de rendre les serveurs plus justes et plus équilibrés pour tous les commandeurs. Voilà, donc c'est en gros ça, c'est l'important. Maintenant, ces fusions de serveurs, pour moi, ça pose quand même pas mal de problèmes. Pourquoi? Parce que déjà, ben, y a beaucoup de bugs encore présents dans le jeu. Et je pense que tu connais Scopely. Ils vont sortir ces fusions de serveurs, ça va ramener encore plus de bugs. Je ne sais pas comment. Même s'ils ont réussi déjà à faire un peu des transferts de serveurs, etc. qui marchent, je pense que ça va ramener encore plus de bugs. Alors qu'il y en a déjà plein qui sont... Plein de bugs qui sont existants et qui sont toujours pas réglés, hein, comme Pike, etc. qui... Voilà, des bugs tout simplement basiques. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on leur demande de régler, ils n'ont toujours pas réglé. Donc, déjà, ça c'est un point négatif pour moi. Ils se focalisent pas sur l'essentiel. C'est sûr que c'est important quand même de repeupler les serveurs, mais ça va demander beaucoup de travail. Et je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir ça. Si tout d'un coup ils sortent ça dans 2 semaines, pour moi ça va être bâclé et ça va être un échec total. Clairement. Parce qu'il y a plein de problèmes qui vont être soulevés. Notamment déjà, pour moi, le plus gros problème c'est comment choisir 2 serveurs. D'accord? C'est tu peux pas choisir 2 serveurs au bol. C'est-à-dire que si tu choisis 2 serveurs forts qui ont. Enfin forts, qui ont la même puissance. Bah, il va y avoir beaucoup de rivalités, les ROE ne seront pas forcément les mêmes, c'est-à-dire que pour se remettre d'accord partout, etc., bah, ça va être un bordel pas possible, et ça va probablement plus donner envie de jouer au jeu, parce que tout le serveur sera en guerre, ce sera un peu l'anarchie, chacun fera comme il veut, parce qu'il va appliquer les règles de son serveur, et pour que forcément tout le monde ait de nouveau un consensus, ça va prendre du temps. Et ça va pas du tout être agréable. Par contre, si tu prends un plus grand serveur et un plus petit serveur, alors là, ça va être, on va dire, un peu plus agréable pour les deux. Parce que les petits serveurs, typiquement, ben, on peut savoir que, imaginons, il y a vraiment des petits serveurs, des nouveaux. Typiquement, s'il y a un petit serveur qui arrive chez nous, bon bah ben voilà, il sera pas ici, voilà. Parce que il sera pas sur du 3 étoiles, par exemple, les mines seront vraiment un problème. Il sera pas sur du 3 étoiles, parce que nous on est déjà plein, mais il sera plutôt sur du 2 étoiles. Et le 2 étoiles, on peut voir qu'il y a vraiment de la place. Donc en soi c'est relativement bien parce que il n'y aura pas de problème au niveau des mines. Si tu as 2 gros serveurs par contre qui fusionnent, bah toutes les mines, enfin des serveurs de puissance égale plutôt, toutes les mines seront prises. Ça va être vraiment impossible de trouver une mine. Mais le problème c'est que... En faisant ça, c'est-à-dire que tu mets des petits joueurs, et ces plus petits joueurs qui étaient typiquement, ben peut-être que le top 10 de ces petits joueurs, ben, si tu les mets avec des joueurs qui ont 3 fois leur puissance, ben, ils vont investir, ils ont dû investir, je sais pas, peut-être 1000, 1500 euros dans le jeu, et ils vont se retrouver finalement même plus dans le top 100, même plus dans le top 200, mais ni même le top 300. Parce qu'ils vont fusionner avec un plus gros serveur. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont investir 1500 euros dans le jeu, il va y avoir cette fusion, et ils seront plus dans le classement en fait. Ils vont se retrouver avec des joueurs qui sont tellement plus forts, et enfin c'est pas normal. C'est 1500 balles à la poubelle, entre guillemets, parce que tu passes de premier à 300, alors que tu as investi beaucoup plus que ceux qui sont dans le top 200, quoi. C'est pas normal. Donc ça aussi c'est un problème. C'est sûr que d'un côté logique, ce serait mieux que ce soit comme ça. Mais d'un côté économique, c'est absolument pas juste pour ceux qui ont investi
beaucoup pour être premier et qui vont se retrouver 300e. Donc le problème, il y a deux problèmes. Même si tu mets avec un petit serveur, il y a une grande partie de la communauté qui va investir beaucoup d'argent voilà, dans le petit serveur qui va se retrouver dans un classement totalement dérisoire. Et l'autre, c'est que si tu mets deux serveurs de puissance égale, bah, tu auras le problème des mines. Donc il y a quand même des personnes qui ont soulevé, qui ont apporté quelques solutions. Bah, soit tu rajoutes des mines, mais si tu rajoutes des mines, ben voilà, il va falloir en limite. Enfin, il va falloir les doubler en fait. Et c'est sûr que d'un point de vue logique, si tu les doubles partout, bon, ça va prendre beaucoup de place. Hein. Typiquement, il y a des systèmes, tu peux pas vraiment les doubler. Hein. Typiquement, si on va à Pigem, tu peux pas doubler les mines. C'est, ça serait bombardé de mines partout. À moins que t'en foutes là, mais après, moi, ça me dérangerait pas qu'ils doublent les mines, parce que plus t'as de mines, plus t'as de possibilité que les personnes soient à zéro, plus t'as de possibilité de pouvoir récupérer une mine. Donc soit tu doubles les mines dans chaque système, soit tu rajoutes des systèmes avec des mines, soit tu laisses la possibilité aux joueurs de taper des joueurs de plus petit niveau ou de plus haut niveau. Parce que ben typiquement, ben, il suffit d'aller dans un système comme ici, voilà. Je suis sûr que probablement... Voilà, typiquement un niveau 18, moi je peux pas le taper. Et souvent, les plus petits niveaux, bah, ils vont être à zéro pendant je sais pas combien de temps. Pourquoi je peux pas les taper? Je peux comprendre que je peux pas taper leur base, etc. parce que ils sont plus petits niveaux, mais pourquoi je peux pas taper leur mineur? Bon, bah lui par contre, je vais lui prendre sa mine. Donc ça soulève pas mal de questions. Ensuite, il y aura aussi ce système des alliances alliées. On peut retrouver ici. Il y en a qui soulevaient le fait que ça serait intéressant que, bah, comme il risque d'y avoir plusieurs guerres, etc., que tu puisses vraiment plus, un peu plus fusionner tes puissances, tes alliances, je veux dire, dans le sens où, pourquoi pas faire en sorte que tu puisses taper des armadas avec une alliance alliée. Pourquoi pas? Ça peut être assez intéressant. Pourquoi pas avoir un chat avec des alliances alliées. Pourquoi pas? Ça peut toujours être intéressant, au lieu de devoir passer par Discord pour contacter ton alliance, comme nous on fait, pour pouvoir leur dire à l'autre alliance, bah typiquement on a une mine en zone 40, on veut vous la donner parce que personne de l'autre alliance veut la prendre. Pourquoi on peut pas avoir un chat avec eux? Un chat que on peut gérer un peu mieux, dans le sens où on va pas spam, on donne vraiment les informations essentielles. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant aussi. Parce que là, les alliances vont un peu plus prendre de leur sens. Ensuite, si tout d'un coup, ben, on se retrouve dans un serveur, ou avec un serveur, voilà, ça ne nous plaît pas. Imaginons, moi, je me retrouve dans un serveur, avec un serveur où il y a des joueurs... je sais qu'il y a des serveurs où il y a des joueurs 45, voire même 50, hein, je ne vais pas vous mentir, il y en a. Ben, si je me retrouve dans un serveur comme ça, et que je suis dans le petit groupe, on va dire, le groupe faible, sincèrement, je sais pas si je vais rester dans... un serveur comme ça, je sais pas si ça me donne envie de continuer, parce qu'au classement je vais tellement perdre. Donc pourquoi pas avoir la possibilité ensuite de changer de serveur, comme ils ont fait jusqu'au niveau 12. On peut encore changer de serveur avec les jetons de transfert de serveur. Pourquoi pas changer de serveur? Pourquoi ils nous donneraient pas cette possibilité? Ça peut toujours être intéressant si on se retrouve dans un serveur dans lequel on veut pas être. Après, ça va forcément créer des abus, parce que un niveau 50, peut-être qui était avec... enfin 50, bon j'abuse un peu, mais un niveau 45 qui était dans un serveur où il y avait vraiment des gros joueurs, parce que c'est un serveur très ancien, peut-être qui date même... c'est un des serveurs fondateurs. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il pourrait tout d'un coup rejoindre un serveur où le deuxième, ce serait un niveau 35? Ah, c'est... Ça peut créer des abus, donc ils ont dit qu'ils vont essayer de gérer cette situation le mieux possible, mais pour moi on va avoir des gros problèmes sur les fichiers de serveur, et ça va être n'importe quoi. Mais je pense que c'est quand même une bonne chose, juste qu'il y ait ce système des mines, que il va en falloir plus, soit plus de systèmes, soit plus de mines par système, mais il va falloir qu'ils règlent ça, ou bien qu'on puisse miner plus vite. Mais les mines, ça va être clairement un problème. Les armadas, il y en aura clairement pas assez.
Et puis après, c'est bien au niveau des ressources. Il y aura plus de ressources dans le jeu. Mais aussi les places dans les systèmes. S'il n'y a pas assez de places dans les systèmes, bah, moi j'ai pas envie de tout un coup devoir aller dans un système ici, 15, pour pouvoir trouver une place. J'ai pas envie. J'ai envie d'aller dans un système plus haut, je vais. J'ai pas envie d'aller dans un système tout petit pour trouver une place. Donc ça aussi, c'est un problème. Et forcément, est-ce que les alliances vont rester comme elles sont? Est-ce que tout d'un coup elles vont être reset, etc. Je l'espère pas. Mais ça, c'est plein de questions auxquelles apparemment ils vont répondre plus tard. Donc, n'hésite pas à me donner tes craintes, peut-être sur le Discord. Et puis, probablement, il y aura une nouvelle vidéo là-dessus parce que c'est un sujet important. Donc, n'hésite pas à aller sur mon Discord pour qu'on puisse en parler. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Voilà, c'était Daramenel sur Star Trek.